Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Necromunda Mode Histoire. On attaque le chapitre 12, la cavalerie. Et après avoir sauvé les Banques de l'embuscade des Goliaths, Flint essaie de convaincre Tessera de s'unir avec les Black Ash contre les forces des Dog Soldiers. Une proposition qu'il convient de considérer, étant donné les nombreux périls qui se profilent à l'horizon. Ah, c'est vrai qu'elle a bien cherché la merde, Tessera, quand même. Hein. On va donc voir tout de suite comment elle s'en sort. Eh bien parle! Pourquoi nous aider? Même si tu ne l'as pas encore compris, je suis ce qui ressemble le plus à une amie dans le sous-monde. C'est marrant. Il y a peu, tu tuais encore mes filles. Il va falloir faire équipe si on veut buter le Cerbère. Si on cède pas, impossible de survivre, ni de gagner. Faut s'allier. T'es pas aussi con que t'en as l'air. Commençons par rassembler des informations. Des plans, des codes d'accès. Wouhou! J'adore les codes. Comptez sur moi. La plaie nocturne va finir par perdre ses propriétés. Il faut préparer les bombes au plus vite. C'est bon. Si on avance, mes gars vont partir en éclaireur. Pendant que vous... préparez vos poisons. De Goliath ? Il faut que je te dise quelque chose. Quoi ? Evos a envoyé un autre gang, les Roddy Boys. Je connais ces débiles. Eh bien, ravale ta fierté quand on les verra. Parce qu'on a aussi besoin d'eux. Les Roddy vont bien. Et qu'ils se sont bien foutus dans le pétrin. Allons les aider. Ça nous fera de nouveaux amis. Ah, je trouve ces cinématiques vraiment de qualité pour le coup. C'est un pur trip, quoi. Un pur trip. Alors, comment ça se passe? On peut jouer Flint, on peut jouer Tessera, on a Bloodvore ici qui est neutralisé, on a Hagen et on a Priska. Et on a deux passages de tour. Alors, Tessera a plein de trucs dans son inventaire, donc avec un peu de bol, elle aura de l'adrénaline ou un truc du genre. Est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble? Ok, on a nos trois mecs ici, les deux cadavres là. Et on dirait qu'il y a deux gangs. Non, si, deux gangs en face. Là, il y a un rouge. Attends, ils sont planqués dans les murs, c'est con. Et ça, c'est... Ouais, ici, on a des gens un peu dans le mal. Bien. Et bien, c'est parti. Avec Tessera. Plus d'initiative, on pourra voir ce qui se passe. Oh putain, cogneur à 131. Ah mais il est en prison. Bloodvore doit pas être loin. Progresser doucement. Je le sens mal. Ok, la vache. Ils sont hauts. On peut pas la viser d'ici. On peut la viser d'ici. En plus, on a une bonne chance. Mais on peut peut-être... caler un petit grappin quelque part. Ouais, ici c'est pas forcément utile. Si ça m'irait bien.
Oh la vache, tellement de monde. Ça va être tendu, hein. Ok, alors là par contre on fait toujours ultra mal, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre ils jouent deux personnes. Et ils prennent pas trop de risques. On attend là. Ah c'est des rangs 9 hein. Ah il y en a dans les couloirs et tout, oh là là, mais combien ils sont. Ok, visiblement ils vont pas venir, il reste... Je pense que les rouges là, ça doit sûrement être des Goliaths qu'il faut qu'on libère, un truc du genre. Brax et tout, ça me dit quelque chose. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas des petits trucs pour monter là? Ah là, y a un truc tout là, mais c'est de la surveillance et surveillance. Ouais, cela dit, ça permettrait de grimper. Hein. Alors lui, il a ces deux trucs de ces deux épées tronçonneuses, donc elle surveille tout là et elle tout là-bas. Et nous, on veut atteindre ce truc là, donc on va se prendre un tir mais en essayant voilà d'être bien planqué au moins on se le prend, parfait. Bon, on perd quand même 10 PM, ça fait chier. Laissons-le ici. Réfléchis, Tessera. Sans plus de vor, pas de Roddy Boys et pas d'archéothèque. Ok. Ah il a une dose d'adrénaline. Adrénaline. Tiens, mais c'est Crane Flint. Et tu es en charmante compagnie. La ferme, crétin, c'est sérieux. Bosse avec nous, ou on est tous morts. D'accord, mais je veux qu'Annie et Vatraxia mordent la poussière avant de décoller. Voilà, au moins on va être en position avec lui. Pouvoir se cacher. Merde. Ok, esquive, c'est bon, on est bien planqué. On n'a plus rien, donc on passe le tour. Alors, du coup, on a l'ami Ludvor qui est un peu exposé. On va le prendre tout de suite. Espérons qu'il ne prenne pas trop cher et qu'il ne remeure pas direct, ce serait dommage. Ok, surveillance. Scan de terrain et s'accroupit. Alors du coup c'est elle hein, qui a réactivé sa surveillance. Mais elle doit pas nous voir, je pense, de là où elle est. Donc on va prendre notre petite tyrolienne, du coup. Et d'ici, on peut peut-être l'allumer avant qu'elle nous tire dessus. Ouais, ça se tente, on a quoi d'autre? Frénésie mitrailleuse, ça fait quoi déjà, ça? Chaque attaque bénéficie de moins 50% de précision. Ouais, c'est tendu quand même, hein. En cas de normal, plus 25 PA pour toutes les compétences dure jusqu'à la fin du combat, non, ça vaut pas le coup, donc faut qu'on l'allume. Voilà, ça c'est fait. On va choisir la cible, je vais aller là-bas avec mon copain Flint. Ensuite on peut refaire un ancrage, parfait.
Alors l'autre, elle est juste en dessous, elle nous voit donc pas. Est-ce qu'on peut tirer sur des gens d'ici? 13% de chance, ouais, c'est un peu naze. Est-ce qu'on peut se mettre en surveillance? On peut se mettre en surveillance, c'est parti. Et on est dans une zone sûre, nickel. Bien, donc il reste plus que toi, il reste plus que Gwen ici qui est en surveillance, les autres, ils sont bons. Tous ces gens qui jouent quoi. Ok, Vatraxia est ici, très bien. C'est sympa ce coin. Il est cool le décor. Ok, embuscade, pas de soucis. On va les allumer. Alors j'ai vu qu'il y avait des points de renfort, donc ça peut être tendu, mais ils sont quand même nombreux, hein. On va pas se jeter dans le tas comme des brutasses non plus. T'as quoi dans ton inventaire, toi? T'as une dose d'adrénaline, hein, donc tu pourrais peut-être aller ressusciter lui. C'est juste gênant, c'est celle-là. Si on passe par ici, ça peut le faire. Voilà, comme ça nous voit pas. Et du coup, on peut ressusciter. Les lions l'ont pris par surprise. Hop. Il est en fâcheuse posture. Merci pour le stimulant. De rien, ça me fait plaisir. On a quoi? Aura de garnison, c'est laquelle? Celle qui remet des PA? 15 PA par manche, c'est ça. Hop. Ah, on peut rien faire, dommage. Alors, est-ce que t'aurais pas un petit medikit, toi? Il y a du peuple. Je sens que c'est une mission qui va traîner un peu en longueur. Sauf s'ils décident de tous monter pour qu'on les allume. Ouh, ça fait mal. Putain, ça, son bolter lourd là. Waouh, il est tellement badass. Ok, la petite surveillance là. Avec les deux pistolets mitrailleurs. Alors, t'as un medikit ou pas? T'as deux medikits. Bah écoute, prends-en un déjà. Voilà. Ça sera un bon début. Et t'as un sniper, donc. Ça m'embête un peu parce que elle, je lui ai mis l'aura, mais en même temps, je pouvais pas la mettre non plus très très loin ailleurs. Donc on va quand même prendre de la hauteur. Il nous faut 30 PA pour tirer, c'est pas suffisamment. Après, normalement, on est plus ou moins hors des zones de surveillance là. Donc, on va se coucher. Un petit scan de terrain, c'est pas mal. On s'accroupit. On a conseil de combat, ça fait quoi? Moins 10 PA pour répartition de terrain, moins 75 PA pour embuscade. Ouais. Plutôt sur toi pour le coup.
On passe le tour. Alors, ici malheureusement, quoi qu'on pourrait peut-être faire la mort vient du ciel sur la meuf qui est juste en dessous là. On va se faire ça. Si elle décide pas de se tirer. Non, elle fait une petite surveillance des familles. Parfait. Du coup, on va aller la défoncer. Alors, il faut déjà qu'on puisse passer. Hein. Ok, on peut pas passer. Elle est toujours juste en dessous. Hein. Ouais. Est-ce qu'on peut le caler là? Non. Est-ce que là on peut le caler? Non. Et là on se fait tirer dessus. Ouh, elle nous le rate. Et là du coup on peut le caler. Enfin. Encore que. Si on est trop. On est trop bas, c'est ça que tu me dis? On est pas assez haut plutôt. Eh ben tant pis, on va sauter à l'ancienne. Je vous dis moi. Bien triste. Alors, on a l'assaut héroïque avec juste une main ou la frappe à deux mains. C'est parti pour la frappe à deux mains. Voilà, largement suffisant. Alors, est-ce qu'on a d'autres personnes éventuellement? Alors là, il y a elle, mais elle est en surveillance et couvre bien la zone. Donc je pense qu'on va se caler juste là. Une embuscade ça coûte 6 PA donc on peut se permettre de la faire. Et après on s'accroupit là et on passe le tour. Ah ça y est, il commence à s'affoler. Je vais jeter un oeil à la carte, savoir comment on va dans ce... dans cette prison là, parce que j'imagine qu'on doit pouvoir libérer les gens et peut-être avoir un peu plus de troupes. Alors la carte. Tous ceux qui sont en rouge là, ils sont là. Donc si on fait le tour de ce couloir, ici il y a un truc qui est complètement à l'opposé de nous. Ok, très bien. Ici il y a des portes, ici il y a un ascenseur. Ah, visiblement ce serait éventuellement intéressant là, là. Entrer dans le commissariat. Donc on pourrait peut-être aller avec Priska et la snipeuse là. Donc déjà on va prendre elle, qui est peut-être plutôt bien placée, même si du coup ça... son aura sert pas des masses. Sachant que dans les couloirs là, il reste elle en embuscade et l'autre qui est bien dans le mal en... comment? Oula, roi de précision qui est très bien. Elle l'avait déjà, non? Je sais plus. Allez, on se lève. On actionne la porte. Donc du coup, il reste plus personne ici, tout le monde s'est tiré. Par contre, si on va aller vers l'ascenseur, il y a une barricade. On va donc exploser la barricade. Voilà, ça c'est fait. Il n'y a plus de barricade. Voilà l'entrepôt du secteur. Les cartes et les codes doivent être dans le coin. Les Hélions retiennent mes gars ici. Il faut les libérer. Je suis déjà venu ici. La prison est au premier étage. Les archives sont au second. Allez, on va se mettre là. Est-ce qu'on peut caler quelque chose d'intéressant? Réactivité. Plus 15% de précision à distance. Ah bah oui, on peut prendre ça du coup. J'aurais préféré mettre une surveillance pour être sûr que... si jamais quelqu'un active l'ascenseur, on se fasse pas avoir, mais bon. Avec elle, normalement, on devrait jouer assez vite. Ouais, voilà, c'est bon. Ah, quoique, elle peut peut-être appeler l'ascenseur de là où elle est. Non, c'est bon. Elle fait rien. Enfin, elle fait un scan de terrain. Après, elle recule.
Ok. Donc l'objectif, ça va être de nettoyer le toit, d'aller chercher les mecs à libérer. On peut pas sauter là ? Non. Là, on peut sauter. Non, pas ici, en bas. Allez, on court. Hop, on va dans l'ascenseur, ça passe. Ça passe, ça passe, allez, ça passe. Oui, ça passe. Du coup, étage 5, étage 7, étage 10. Étage 5. Les gars doivent être quelque part. Ok, le premier étage c'était l'étage 5. Nickel, on s'en souviendra. On va caler une surveillance ici. Là, on peut peut-être même ouvrir la porte d'ailleurs. Histoire de gagner quelques PA. Hop, on retourne se mettre un peu planqué ici. On s'accroupit. On a même assez de points pour recharger. Parfait. Hop là. En tout cas, ça change des gangers qui capturent des gens plutôt que les buter. N'est-ce pas? Bon, ce sniper est vraiment trop lent par contre. Ok, protège bien les archives. Il n'y a pas photo. Alors, avec les deux qui se sont mis... Ouais, on est... je suis dans sa zone là. Non, absolument pas en fait. Absolument pas. C'était quoi la grande zone que j'ai vue alors? J'ai pas fait gaffe. Il y a elle, mais elle est loin. Non, il reste plus que ces deux là sur le toit là. Ah bah si, je savais bien que j'étais dans sa zone, putain. Je savais bien. Ça me paraissait bizarre. Attends, mais c'est même hors de portée de moi avec mon snipe quoi. Enfin, mon snipe. Avec mon bolter snipe, on va dire. Du coup, je peux approcher un peu elle. Au moins jusqu'à cette petite case là. Elle est full life celle-là. Alors on a quoi? On a un doublé avec lui. Et on a le tir de grappin. Non, on va prendre le doublé, ça peut être intéressant. Voilà, putain, elle a une sacrée armure. Hein. Allez, prends le 100%. Ok, on n'a pas fait de coup critique, tant pis. On peut faire une volonté d'acier pour se reprendre un peu de soin. Et après, on termine le tour. Alors, maintenant que c'est désactivé, on va peut-être pouvoir avancer un peu avec Bloodvore. Ok, si tu veux. Alors à nous. Donc on a dit qu'on pouvait avancer jusqu'à cette zone là de manière safe. Est-ce que ici on peut tirer? 87% de chance. On peut aller jusque là. Ici on la voit mieux je trouve. 95% c'est mieux. On a quoi? Ah oui, on a la frénésie mitrailleuse. Comme notre arme est déjà bientôt enrayée, donc non, on va se prendre un tir. Ça devrait suffire largement. Voilà, notre arme est enrayée, donc 3 tirs ça servait à rien. Tiens, c'est vrai qu'on a des auras aussi avec lui. 25% de précision.
S'active lorsqu'un ennemi cible ce combattant, plus 100 PA pour les compétences à distance offensive ennemie. Oh, c'est pas mal ça. Mise au point, ouais. Moins 10 PA pour frappe. Intéressant, mais pas fifou dans le contexte. On pourrait éventuellement le mettre sur Flint, qui est planqué visiblement. Et qui était planqué juste derrière là. Donc c'est pas grave, une prochaine fois. On va prendre l'aura de précision, ça mange pas de pain. On va reculer là du coup. Oula, doucement, ici. Voilà, on prend la formation, on cale une réparation de terrain, parce qu'on peut plus rien faire avec notre... Là, que je l'ai mis sur lui, ben c'est pas grave, tant pis. Alors, il va falloir qu'on soit capable de l'assommer à distance, par exemple avec toi. Alors, est-ce qu'on est capable de la voir là? Non, hein. Est-ce que si on va derrière ce petit truc là? Là, on est capable de la voir. Oui, tout à fait. Bon, les chances de toucher sont un peu à chier par contre. 98% dans le bras droit. Bah, visons le bras droit. Hein. Ouh, ça fait mal! Ouh, le coup critique à 200 qui picote. Ok, donc du coup, il reste les deux en haut. Et normalement, celles qui sont là. Ok, très bien. Donc, on va se poser dans l'ascenseur. On va mettre une surveillance. On s'accroupit et c'est bon. On va essayer de prendre l'ascenseur. On voit bien qu'il couvre l'ascenseur les deux là. Cela dit là, elle a pris une embuscade un peu mal placée je trouve. Elle est protégée par les coins de l'ascenseur. Alors qu'est-ce que tu fais de beau toi? Tu restes sur ton coffre? On va venir te chercher, t'inquiète. Hein. Mise au point, ok. Et se cache. Pourquoi pas. Alors, on va juste vérifier dans quel coin on arrive du coup. Prendre la carte. Si je descends ici avec elle. Donc là, je passe une porte. Et ok, on arrive dans ce couloir là, donc elle sera planquée. Mais on aura quand même moyen de faire des trucs. Donc je pense qu'on va jouer avec Bloodvor, non, Priska, voilà. Là si on pouvait caler quelques grenades dans le tas, ce serait cool, mais je pense que ça va être trop bas, le plafond va être trop bas. Donc on va se contenter de tirer à l'ancienne. Alors, la porte ne s'ouvre pas ici, il faut qu'on se faufile. Alors l'embuscade elle va jusqu'où? Je peux le voir ou pas? Non, je peux pas le voir. Tenez bon, on va vous sortir de là. Toi t'as la frénésie dévastatrice, ça fait quoi de beau? Chaque attaque bénéficie de moins 50% de précision, ces attaques ne peuvent infliger de critique, 40% de destruction d'armure. Ouais. Bof, j'ai envie de dire. On va l'allumer, tout simplement. Voilà. On peut peut-être faire un petit ancrage, parfait. Propre. On actionne la porte. C'est la dernière fois, hein. J'ai cru qu'il y avait personne dedans, mais. Faut que je lui parle ou un truc du genre, non? Tu peux activer cette porte-là peut-être? Non, il y a personne dans cette porte-là.
Du coup, tu vas te planquer, t'accroupir, et c'est bon. Alors, ici. Flint, on le jouera à la fin, parce que je pense que si on monte, il y a moins que je chope une charge. Donc, on va jouer lui. Ah, du coup, on les contrôle pas. D'accord. Intéressant. Ils vont s'armer, j'imagine, dans les coffres. J'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi. Comme par exemple déclencher des surveillances de manière débile. Bon, après elle était quasiment morte donc ça va, mais. Finalement on aurait eu besoin que d'une seule personne pour attaquer la prison. Au moins on sera en groupe pour attaquer les archives après. Alors toi déjà, faut que tu nous fasses une réparation de terrain. Très clairement. Ensuite tu vas te poser ici. Je pense de ce côté là. On va activer une surveillance déjà. Et après, est-ce qu'on n'aurait pas des petits trucs sympathiques à faire ? Non, absolument rien. Si on claque un ancrage, je peux peut-être faire un planifié, non? Je peux faire plein de choses. Non, je vois pas Flynn d'ici, donc ça sert toujours à rien. On va mettre un art d'attaquer sur notre snipe, ça peut toujours servir. Après, on s'accroupit et on est passé. Au tour de Flint de faire un peu d'action. Moi, j'imagine qu'au bout d'un moment les renforts vont arriver. Hein. Ici par contre elle a l'air clairement buggée. Hein. Elle fait que spammer ces trucs synthétiques qui servent à rien parce qu'elle envoie sur les mêmes personnes. Et derrière elle bouge pas. C'est un peu dommage. Enfin, je remarque, j'en sais rien, ça se trouve ça se stack les stimulants synthétiques, mais à ce point là j'ai quand même des doutes. Allez, courage Brax, on arrive. Ici on se lève. Hop, on va aller chercher l'ascenseur. Putain. Alors, est-ce que je peux caler une charge? T'as pas charge, tu te fous de moi? C'est ça que t'es en train d'essayer de me dire. J'ai l'impression que c'est ça que t'es en train d'essayer de me dire. T'as quoi? Cri de guerre, terreur. Ralliement. Ralliement, ça fait quoi on a dit? Résistance aux étourdissements, terreur. Plus 25% de précision à mêler, parfait, on va le faire sur elle, ça me paraît bien. Et après on y va. Hop. Tiens, il me semblait qu'elle était en... Ah non, c'est l'autre qui était en embuscade, c'est vrai. Bon bah c'est un échec. Héroïque assaut. C'est parti. Plus de munitions. On recharge. Et on passe le tour. Allez, allons ouvrir des portes de prison. On se lève. Hop. Je crois que j'allais pas pouvoir passer. On actionne la porte. On actionne la porte. Il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres encore. C'est parti les gars. Brisons des crânes et aidons nos nouveaux amis. C'est ça.
Faisons ça. Bonne idée. Utiliser une borne de soins en objectif optionnel. Ça va, on devrait s'en remettre. Alors ici, on va rejouer lui tout de suite, histoire de pouvoir éventuellement mettre des fessées. Alors, est-ce que c'est excite pour aller aider ses copines? Visiblement, non. Ah, peut-être que si. Ok, visiblement on s'excite. Bon, alors, par contre, toute seule. Ah, elle nous vole l'ascenseur. Intéressant. Quelque chose me dit que c'est un peu tard. Ah, elle joue même pas, elle. Ah ouais, peut-être que du coup, comme elle était emmêlée, elle pouvait rien me faire de très intéressant. Ça va, nos propres IA sont aussi bloquées que les IA de l'ennemi, donc on est bien. Au moins, on n'est pas désavantagés, ni eux non plus. Bon bah du coup, on va te défoncer, hein, je suis désolé de te le dire. Deux esquives quand même, hein. Résiste, hein. Annie, quand tu laisses quelqu'un pour mort, pense à l'achever. Ah oui, c'était une des chefs, celle-là. On ancre. Après, on va recharger parce que on est complètement dans le mal. Est-ce qu'on aurait assez pour une embuscade? On aurait assez pour une embuscade, donc je pense qu'on va en mettre une. Hop là. Histoire que si elle décide de bouger, on la chope. Ici, on va se préparer à remonter. Et en fait, à chaque fois, il y en a deux qui jouent, mais c'est les chefs en fait. C'est pour ça qu'il y en avait deux qui jouaient. Bon, visiblement, il nous pique l'ascenseur. On va prendre la position en hauteur, mais pourquoi pas. Il aurait fallu se réveiller avant, mais... Donc nous, on rejoint notre ascenseur, justement. On va laisser les autres se démerder, hein. Ils font leur vie. J'ai pas envie d'attendre l'IA. Hop. Allez, ramasse-nous quelques bonnes armes. Du coup, c'est cool, c'est que les trois gangs se deviennent tous amis, donc comme ça au moins on est content, on se retrouve pas à taper sur des gens qu'on aimait bien. Une embuscade dans la cellule avec les alambics. Franchement, je comprends. L'alcool, c'est quand même important. Alors, est-ce qu'on la chope celle-là? Ouf. Bon, on la chope pas l'embuscade, par contre on la défonce au bolter. Y a pas d'autre mot. Elle va se tirer? Non, elle recule pour se... Ok, bah, pas de soucis, on va la défoncer à distance. Ça ne me dérange pas. Allez, on prend Priska, on s'arrache de là. Putain, ils ont de ces carrières les Goliath quand ils avancent là. Ok, une belle hache, pas de soucis.
Nous, on se lève, on passe par là puisque la porte est fermée, qu'on n'est pas trop débile. Alors, un étage, étage 3, étage 7, étage 10. On va aller à l'étage 7 puisque c'est là qui est notre objectif. On va laisser les autres s'occuper des. On va jamais rien trouver là-dedans. Des trucs à tuer. Ah, faut qu'on transporte. Bah, transportons. Le plan du dôme est enregistré dans ses bases de données. Pas le temps de tout transférer. On embarque la machine. Embarquez-les et apportez-les au point d'extraction. On peut passer là pour aller jusqu'au truc. Non, il est un peu trop loin. Tant pis. Alors là, on va jouer lui. Comme ça, on va pouvoir allumer la fille qui reste et ensuite descendre, et le sniper sera bien placé pour commencer à nettoyer ce qui reste en bas. Alors, 72% de chance de toucher, ça se prend. Ou pas. Oh, vous êtes sérieux, quoi. Non, mais je rêve! Non, bah, réparation de terrain, mais sur toi, du coup. Bah, du coup, on va pas faire ça. Puisque visiblement 72% de chance, moi je pensais que ça faisait 112% de chance, mais en fait ça faisait une chance sur 10. Excusez-moi, j'ai confondu. Alors, on va se lever. Voilà. On va se placer. Voilà. On va trouver un endroit où on a 72% de chance aussi. Et on va finir. Voilà, et on n'a plus aucun PA pour réactiver l'ascenseur. Mais au moins on est dessus. 3 tirs à 3 tirs chacun pour réussir à mettre 3 touches. C'est pas mal. Un tiers de chance. En fait, on est à l'inverse de 75%. Nickel. Bon, après, si eux s'excitent et viennent nous aider, on va être vraiment en gros surnombre. Hein, mais. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi un piège là? Putain, je suis sûr qu'il y en a un qui va le déclencher en plus. Ah, ils arrivent à trouver le chemin de l'ascenseur sans nous. L'appelle pas! Oh putain! Mais je suis dedans! Ah là 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 là! C'est difficile la vie. Alors, on n'échange pas, on va à l'étage 10. Alors, du coup, elles sont où? Par rapport à nous, ok, là. Toi tu fais quoi? Rien de particulier normalement. Et toi t'es en embuscade. Très bien. Donc tant qu'on laisse des objets entre toi et nous, ça le fait. Alors ici du coup, est-ce qu'on aurait un tir intéressant? 67% de chance, c'est pas ouf. 83% ça se prend. Une écorchure, pas de chance. Ah putain, je peux pas faire d'ancrage, j'ai plus assez. Je peux faire un tir de grappin. Ok, c'est toujours mal. On va se planquer. Oui, recharger. Et on termine le tour. Ah, ah voilà, des petits renforts, je me disais aussi. Ouh, elle déploie deux personnes. Ok, un balèze et une meuf avec une épée. Où est-ce qu'elles sont? Non, ça c'est celle d'origine, tout là-bas. Ok, il va falloir un peu de temps avant d'arriver, même si elle court jusqu'à l'ascenseur. Du coup, nous, ce qu'il faut qu'on fasse, bon, bah là, on n'est pas pressé. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que on allume des gens assez vite. Ouais, initiative de fou. Très bien. Bah ouais, voilà.
GG. Magnifique, magnifique move. Ouais, les bugs d'IA, c'est pas encore ça quand même. Faut bien l'avouer. Ça, c'est le truc qu'elle aurait pu faire dès le début, quoi. Mais non, il a fallu qu'elle aille poser un piège dans une cellule. Et pour ensuite se le prendre. C'est quand même chaud. Hein. Bon, elle faut qu'on s'en débarrasse parce qu'ils font beaucoup trop de tirs nombreux là. Ah, parfait, en plus qu'elle était toujours active. Pff, c'est moche ça. Oh, excusez-moi du vomissement. Ouf. Arc de réflexe optimisé. Tiens donc. Ah, elle va rester seule avec Bloodvore. Bon, ça me dérange pas. Nous on va aller s'occuper de l'autre du coup avant qu'elle ait l'occasion d'utiliser son attaqué. C'est bon, elle s'est mise en surveillance et après elle a pris une épée. Elles sont toutes là-bas. Elle est immense cette map. Je sais pas si on peut la jouer en multi, mais j'ai bien l'impression que c'est ce qu'elle a fait. Hein. Elle est en surveillance et je l'ai vu sortir une épée. Et bah, c'est con. Alors toi, par contre, tu faisais rien. Tu fais toujours rien. On va donc pouvoir aller te faire coucou. Coucou. Alors, assaut demain. Ouais. Héroïque à soi demain, on a plus beaucoup de charges dans une de nos épées, mais l'autre devra suffire largement. Voilà. Hop là, ça c'est fait, on a vidé toutes nos cartouches entre guillemets. On va pouvoir faire un ancrage. Pour pouvoir recharger. Je trouve classe les épées qui se rechargent franchement. Puis bon, on va passer le tour puisque ça sert à rien de faire autre chose. Alors toi, bah j'ai bien envie de te prendre tout de suite avant que quelqu'un fasse de la merde en emmenant je ne sais qui, je ne sais où. On retourne à l'étage 7, merci. Et du coup on va aller prendre les caisses. On dirait qu'il en reste 2, c'est parfait. Bon, c'est pas les personnages les plus adéquats pour ramasser des objets, mais c'est pas grave. Puisqu'on a un objectif optionnel pour utiliser une bande de soins, on va le faire. Voilà. Et puis bah, après on termine, mais on est dans une zone dangereuse, téléporte-nous quelque part. Espérons que ça ne bug pas. Bon, visiblement, les renforts ne vont pas être hyper utiles. À la rigueur, bon, on va pas s'en plaindre, ça sera fini plus vite. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est où sont les zones d'extraction maintenant. Ils vont aller s'occuper des renforts si ça les amuse. Ça ne me dérange pas. Essayez juste de pas crever débilement, par exemple en déclenchant des embuscades. Ok, admettons. Si tu pouvais pas te le prendre par contre. On se demande pas pourquoi ils se sont fait capturer, hein. Ils mettent des pièges partout et après ils marchent dessus. Ils ont dû ramasser les mecs endormis par terre. Allez, à toi. Tu vas nous défoncer la copine là. En espérant cette fois qu'on n'ait pas besoin de s'y reprendre à 3 tirs. En tout cas, j'aime beaucoup cette map, hein. Franchement, elle est bien. Bien tactique.
ou la charge. Oh, oh cette violence. Donc effectivement elle était bien en surveillance et elle a pris une épée. Du coup le cri de terreur est particulièrement adapté là, dans le contexte. Alors est-ce qu'elle était en embuscade elle? Non même pas, hein. Donc bon, d'ailleurs elle est très très bien exposée. Pourrait même se permettre une frénésie franchement. Voilà. Maman te sauvera pas cette fois-ci. Une réparation de terrain. Alors, les zones d'extraction, du coup, où sont-elles? Ah bah ici, d'accord, intéressant. Où du coup? C'est là? Ah, il y a une barricade devant. Je peux pas gagner assez de PM pour tirer dessus. Si, parfait. Ouais, Bludvor, tu vas garder la barricade? Tu vas garder la zone d'extraction? Des fois qu'il se passe un truc totalement improbable et que quelqu'un arrive. Ici, il faut qu'on reprenne l'ascenseur. Donc on va le rappeler. On se tire. Hein. C'est pas la peine d'attendre 100 ans non plus. Lui, c'est pas équipé, tiens. Il garde juste son bras. Ok. Ça t'amuse. Bah il fait le taf avec son bras, j'ai envie de dire. Ah, ils vont suffire à gérer les renforts, hein, pas de stress. Allez ici, va falloir qu'on réussisse là à... prendre les trucs et à réussir à prendre l'ascenseur sans que les mecs fassent n'importe quoi. Bon, ils sont tous en train de se barrer donc ça va, ils devraient être relativement gérables. Lui, je sens qu'il va se prendre l'embuscade. Est-ce qu'il va réussir à caler une charge? Ça m'étonnerait. Ah, il a même pas assez de points. Il va se prendre l'embuscade. Bon, après, franchement. Voilà. En échange de ça, elle va se prendre un gros coup de hache. Voilà. Ça c'est fait. Alors à nous, on ramasse le dernier machin. Hop. On a ce qu'on voulait, plus quelques débiles. Ah putain, je peux... où est-ce que je descends de cette merde? Là. Allez, dans l'ascenseur. Côtoie. Donc là il faut qu'on joue absolument. Ouf. 4 renforts. Il va être temps de s'arracher. Alors du coup, on a dit, on prend. Ouais, toi avec tes charges sur le dos là, faut absolument que tu joues. Non, pas avant lui, putain, il va faire de la merde. Je sens qu'il va faire de la merde. Ah là là, il fait de la merde. Ok. Bon bah celui-là il est mort. De toute façon il est déjà quasiment mort mais là... il aurait
pu y avoir une idée de se dire, tiens, mais c'est moi, il se l'est lancé sur lui aussi, là, la capsule cryogénique, là. Ouais. Alors là, certes, le patch a réglé pas mal de bugs, mais bon, comme disait, hein, il n'était pas fait pour travailler sur les bugs de l'IA. Mais bon, quand même. Ah bordel, elle va venir nous faire chier. Alors, à l'autre. Bon, là, j'imagine qu'ils vont se concentrer sur ceux qui sont à côté, j'espère. Non ? Sérieux ? Ah bah voilà, le piège qui fait le taf, hein. Aussi surprenant que ça puisse paraître. C'est sympa d'avoir fait des trucs de décor comme ça, qui, même si techniquement, ils servent à rien, donne du contexte au décor, quoi, tout simplement. Je trouve ça assez cool. Tout à l'heure, elle a réussi à sauter. Hein. Voilà, on peut sauter. Oh, c'est bon. Du coup, on peut rappeler l'ascenseur. J'ai presque envie de le désactiver après l'ascenseur, quoi. Alors, allez à étage 3, allez à étage 10. Voilà. Ensuite. L'autre ascenseur, il est là-bas. Ah putain, il y a un grand tour à faire ici. Alors, on l'appelle. On va dedans. Voilà. Flint, à toi. Ils ont toutes des petits pistolets ou des épées, donc bon, ça va, niveau renfort, on n'est pas sur du lourd, hein. Ici, on s'est tiré de justesse, parce qu'on était juste de l'autre côté de la porte, je crois, avec notre... notre truc. Alors, où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va, putain? Tiens, absolument à s'occuper des deux gonzesses là. Ah non, il veut faire un la mort vient du ciel. Ok. Admettons, mais tu fais mal à tes propres potes, non? Oh là là, putain, il a réussi à se coincer dans son aura. Ah, c'est moche. Bon, ça va, ça a détecté que c'était pas une zone sûre. C'est bien, faites des tours rapides parce que nous faut qu'on avance là. Allez hop, s'extraire avec Tessera, s'extraire avec Flint, s'extraire avec Ludvor. On joue Priska en espérant que quelqu'un joue pas avec l'ascenseur. Ça va, ils sont tous dehors normalement. Allez, crame-lui la tronche. Alors, on va essayer de passer par ici, ça me semblait quand même plus court. Parfait. Étage 14. La sortie. Ok, parfait. Ensuite, on joue l'ami Bludvor. Il se tire en laissant tous ses potes là. Hein. Il a rien à foutre. Après, ils font le taf. Hein. Ils empêchent les renforts de faire n'importe quoi. C'est assez impressionnant. Les Roddy Boys sont de retour. Alors on a un tour à passer. Ok.
On avait un peu emballé dans le cul sur ce tir là. C'est mieux. Alors, des renforts de l'équipe B. Pourtant, ils sont pas tous morts. Ah, il n'y en a qu'une qui arrive du coup. Trois corps. Donc, dès qu'on en tue une, elle est remplacée. Puis là, il commence à avoir de l'armement un peu plus sérieux. Là. Allez, on va extraire Tessera. Quelle moins d'initiative. Alors, il s'est fait trimballer sur l'ascenseur, mais. Ah, elle aime bien les pièges à saumon, elle, hein, décidément. Impressionnant. Je sais même pas où elle l'a posé là. Vas-y, pose un piège dans l'escalier. Non, même pas. C'est marrant comme ils ont bien simulé le joueur qui cherche un angle de tir. Ça par contre c'est un peu moins simulé ça. Ah oui, en arme à dispersion elle. Ah ouais bon, elle chopera personne d'ici. Dommage. Alors celles-là c'est les deux qui peuvent encore nous faire chier. Faut voir ce qu'elles font. Rien, parfait. Ça me convient, j'ai envie de dire. Elle avait une grosse hache, elle choisit son épée. Mais pourquoi pas? Allez, la porte est là, on s'arrache. Je maintiens que c'est une mauvaise idée, Flint. Ah là, ils ont tellement d'initiatives. Pourquoi on est aussi lent, quoi? C'est complètement gratuit. Le seul piège à saumon qui aurait été utile. Qui fait le taf, mine de rien. Alors, chefs sont mortes, hein, donc ils ont plus personne à sauver, du coup, ils se contentent plus ou moins de rester à l'abri, on va dire. Te prends pas l'embuscade? Ouais, non, quand même pas. Attention, il me semble que quelqu'un a mis des pièges ici. Ouais, voilà. Allez Flint, laissons ces gros débiles derrière nous et tirons-nous. On se casse de là, et vite. Si vous n'êtes pas sorti d'ici quelques minutes, tant pis. Et c'est une victoire écrasante. Bien joué. Alors j'imagine qu'on va avoir une belle ciné pour fêter ça. Cupidité et besoin, les deux leviers du commerce. Flint l'avait peut-être saisi le premier. Mais vu leur chance de réussite, Tessera et Bloodvorg savaient qu'il fallait collaborer. Tout comme Flint. Du moins, pour l'instant. Ça commence bien. Ah la vache. Bon bah du coup on se quitte là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.